Salut et bienvenue à toutes et à tous dans nos numéros best-of d'Afrobasket dans sa nouvelle formule. Au sommaire de ce 274e numéro best-of, cette nouvelle compétition sur Internet, le IFIBA. Ensuite, nous vous ferons vivre le FIBA Youth Camp Garçons et Filles, le programme d'élite de FIBA Afrique pour les jeunes basketteurs. Enfin, ce sera le 3 contre 3 à travers le championnat d'Afrique avec Michael Eric. Le 20 janvier 2023, 30 fédérations nationales ont été aux prises dans la toute première saison d'IFIBA sur NBA 2K23. Lancée à travers les réseaux sociaux, la IFIBA Season 1 s'est déroulée en deux phases éliminatoires régionaux d'abord, puis finale régionale. Le tournoi IFIBA s'est déroulé pour ce début d'année 2023, un tournoi de jeux vidéo sur le simulateur NBA 2K23 qui voit s'affronter les équipes nationales. Les matchs se jouent en ligne en utilisant le Pro AM qui permet une personnalisation totale des avatars des joueurs, des tenues et de l'aménagement des salles. Une des équipes participantes, les Onkwai de Madagascar, composée de 5 joueurs qui vivent tous à Washington, aux États-Unis. 3 frères aidés par 2 autres frères et qui jouent ensemble depuis 6 ans. L'équipe malgache a terminé 2e du tournoi, battue en finale par les Lions de l'Atlas du Maroc par 2-0. Encore plus que dans le basket réel, la clé de la réussite en basket IFIBA, c'est la communication. Malheureusement, le tournoi a encore du mal à percer en Afrique, de par les difficultés au niveau des infrastructures, car le Pro AM est une compétition online qui nécessite une très bonne connexion Internet, la PlayStation ID, la PSN, et un abonnement à PlayStation Plus. Au début considéré comme un choix par défaut, aujourd'hui, représenter son pays en IFIBA est devenu une grande fierté de représenter haut et fort le drapeau de son pays. Le FIBA Africa Regional Youth est un programme d'élite créé pour identifier et développer les meilleurs jeunes joueurs du basketball africain. Pour cette année, la FIBA Africa a décidé de poser ses valises à Bamako au Mali pour les garçons et à Kigali au Rwanda pour les filles. La capitale malienne Bamako a abrité du 20 au 22 septembre 2023 la troisième édition du FIBA Africa Regional Youth Camp. 45 jeunes talents issus de 15 pays étaient en action au Palais des Sports. À l'issue de 2 jours intenses, 5 pépites se sont distinguées. Il s'agit notamment de Mohamed Kourouna de la Guinée, Anas Mohamed El Shakeri d'Égypte, Kassongo Clément de la RDC, Marinosi Aranti de Madagascar et Renagui Mohamed du Maroc. Mohamed Kourouna est par ailleurs MVP de ce camp. Il a d'ailleurs récemment remporté la FoBasket U18 avec la Guinée. Rendu à sa 3e édition, ce camp de basket dénommé FIBA Africa Regional Youth Camp est un programme d'élite créé pour identifier et développer les meilleurs jeunes basketteurs en Afrique. Ce camp de Bamako est vraiment témoin de l'évolution du basket en Afrique. C'est un exemple de grande potentialité physique que le joueur africain a
et l'amour pour le basket. Durant ces camps, les participants reçoivent des outils pour optimiser leur développement personnel et apprennent des valeurs du leadership. Outre la reconnaissance et l'épanouissement des talents du basketball africain, ces ateliers visent à faire des jeunes basketteurs et des acteurs clés du changement en utilisant le basketball comme canal principal. Depuis son lancement en 2021, le FIBA Africa Regional Youth Camp a touché 43 pays avec un total de 240 basketteurs, dont 140 garçons et 90 filles. Après le FIBA Regional Youth Camp garçons au Mali, FIBA Afrique, dans le but de poursuivre son initiative de développement sur le continent, pose ses valises à Kigali au Rwanda pour l'organisation du Youth Camp Régional U16 Filles. Le camp réunissait ainsi 45 filles de 15 pays et s'est déroulé du 26 au 28 septembre 2023. S'exprimant après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture, le président du Conseil de développement de FIBA Afrique, Jean-Michel Ramarosson, a appelé les fédérations nationales et les dirigeants de zone à assurer la continuité en engageant davantage les jeunes dans ces camps et en veillant à ce qu'ils participent au tournoi jeune FIBA Afrique. Outre les 45 jeunes filles présentes, le camp comptait 15 entraîneurs qui utilisent leur expertise pour faire avancer la mission de FIBA Afrique qui consiste à identifier et développer les meilleures jeunes basketteuses africaines. Le camp se concentre également sur les capacités de leadership des jeunes, les organisateurs cherchant à les préparer à devenir des grandes joueuses sur le continent et au-delà, tout en laissant un impact positif sur l'environnement. À l'issue de ce camp, la Malienne Suzanne Dembélé a été élue MVP. Dembélé faisait partie de l'équipe malienne qui a remporté le titre féminin FIBA Afrique U16 en 2022. Ce FIBA Regional Youth Camp Girl a donc pris fin le 28 septembre 2023, devenant peu à peu un événement incontournable dans l'univers du basketball africain. La Coupe d'Afrique de FIBA de basketball 3 contre 3 s'est déroulée au Caire en Égypte du 30 novembre au 3 décembre. Notre correspondant Mika nous fait le point des podiums. Les deux champions d'Afrique 2022, Madagascar chez les hommes et l'Égypte chez les dames, remettent leur titre en jeu au Caire pour les championnats d'Afrique de basket 3x3 édition 2023. Chez les dames, en demi-finale, on retrouve le remake de la dernière finale entre l'Égypte et Madagascar. Dans cette rencontre électrique, les champions en titre prennent le meilleur départ. Victoire finale pour l'Égypte, 18 à 14. En finale, les Égyptiennes retrouvaient le Kenya, vainqueur de l'Ouganda, 16 à 14 en demi-finale. Une nouvelle fois emmenée par Soraya Mohamed, l'Égypte semblait partir vers un nouveau sacre. L'écart grimpa même jusqu'à 5 points. Sans paniquer, les Kenyans se remettent doucement dans le droit chemin, alternant le jeu intérieur-extérieur. Nathalie Mwangale, grâce à un dagger qui va faire très mal aux Égyptiennes, coiffe les championnes en titre au poteau pour remporter le tournoi 21 à 20. Chez les hommes, Madagascar, champion en titre, retrouva le Nigeria en demi-finale. Les Malgaches démarrent bien le match, mais doucement, les Nigérians retrouvent le rythme. Les deux équipes sont au coude à coude. Eli, le meilleur joueur africain du 3 contre 3, maintient Madagascar à flot. Le Nigeria réagit de loin pour repasser devant avec Ukaoba. Le suspense est à son comble. Eli Jordanesque prend l'équipe sur son épaule. Le tournant du match, ce catch and shoot de Ukondai, qui non seulement va faire passer devant le Nigeria, mais également booster leur confiance. Une pluie de 3 points tombe sur le Caire, qui en a vraiment besoin. Les Blancs s'envolent le score. Le Nigeria se qualifie pour la finale, 17 à 15. L'autre demi-finale, 100% maghrébien, entre l'Égypte et l'Algérie. Les Verts prennent un bon départ sous le sillage de Maguide Amour. Poussée par leur public, l'Égypte revient rapidement dans le match. Les attaques se répandent. L'Algérie en 1 contre 1. Au final, victoire aisée des locaux sur le score de 18 à 15. Une finale inédite alors entre l'Égypte et le Nigeria. Évidemment, l'Égypte prend le meilleur départ, mais très vite le Nigeria hausse le ton et revient à hauteur. Mido et Rami Abdallah pilonnent les Nigérians de loin.
Victoire logique des Égyptiens, 18 à 13, qui retrouvent leur trône. Les 9e Jeux de la Francophonie de 2023 se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Notre correspondant Rigo Moulopo nous en fait le résumé. C'est l'ambiance des 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa au Stade des Martyrs. La compétition a réuni au moins 12 pays, dont le Liban, la Roumanie, le Tchad et autres. Jouant la phase des groupes, les pays hôtes, la République démocratique du Congo sera éliminée en présence de son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quart de finale par les Malgaches 53-56. Vu la dimension des matchs et la hauteur de la compétition, le demi-finale fut à la portée du Cameroun en gagnant le Liban par 69-58, tandis que le Madagascar est laminé par le Sénégal par 48-94. Le médaille de bronze pour la troisième place a vu les Malgaches Fox avec l'air tripointeuse Christy Zaofera sommet les Libanaises par 69-63. La bataille de deux lions d'un côté, la Teranga, et de l'autre, Indomptable, montre à suffisance la force de la capitaine, la lionne de Teranga, faisant la démonstration de son évolution au Portugal, dominant ses matchs dans tous les cartons, en récoltant la médaille d'or pour son pays. Au début, c'était difficile. Et Alhamdoulilah, on a géré avec les coachs et les coachs. On a bien géré. S'il aurait parti à Dakar, les coachs du Cameroun regrettent et projettent déjà l'avenir de son pays dans les futurs challenges. C'est vrai qu'on peut nourrir des regrets face à un match comme celui-là, mais moi, je suis très fier de mes filles, fier du parcours qu'elles ont fait sur cette compétition. Et... un peu de joie, un peu de déception, parce que c'est pas la médaille que j'aurais voulu avoir, mais c'est le sport. Il y a un vaincu et un vainqueur. Donc on digère, on essaie de digérer, c'est pas facile, mais on essaie de digérer et de passer à autre chose. Revenir plus fort. Pour une première, les dirigeants sportifs sont fiers de voir l'évolution des basketteurs de la RDC U20 sortir 5e dans cette compétition. On retiendra que la RDC a organisé ses 9e jeux de la francophonie sans une meilleure préparation, malgré la construction des 3 stadiums de basketball sans l'œil des faits sportifs. En attendant bien sûr la construction de l'arène à des 20 000 places pour accueillir des grandes compétitions d'envergure. Voilà, AfroBasket, c'est fini. On se retrouve dans ces mêmes conditions. Restez fidèles à la suite de nos programmes.